Sacrifier M. André Michel là, t'es arrivé n'importe monde qui va respecter tête lui. N'importe monde qui décide, un bonjour matin levé, il dit ça, il a dit j'en le capable, donc il fait ça le capable, j'en le vrai. N'importe monde qui te choisi, pour raison pour l'autre, qui va respecter tête lui, ça t'est arrivé. Et s'il arrive M. André Michel, kounyan, pas inquiété, il y a plus d'autres monde qui va arriver toujours parce que là, dans la coupe au prince, son bon sang honte qu'il y a dans la politique pays. Mesdames, Messieurs, André Michel, pas les causer, pas de parler. Et malheureusement, il y a deux erreurs qu'on ne peut pas supposer dire, pas supposer faire en communication. Et c'est deux erreurs vraiment graves, erreurs qui, au fait, erreurs qui inacceptables. Mais parmi vous, c'est quand ou non pôle de ou non espace côté que ou doit prendre position, doit dire bagaille ou choisi en vertu de tout moyen gain pour répondre mesdames messieurs bay menti. Et une erreur ça yo c'est pas bay menti en public et surtout dans les moyens communication actif. OK, par exemple, vous faites une interview, vous connaissez logiquement, logiquement, vous connaissez ou t'as supposé. Au fait, arriver dans une situation pour parler, pour agir, pour avancer. Donc, premier bagage que t'es supposé faire, le deuxième bagage que t'es doué faire. Au fait, c'est ou parler d'une façon pour après 20 ans, 50 ans, donc pour ça pas déranger. Donc, au fait, même qui s'accueille. L'affaire de M. André Michel et M. Vitelhomme. Donc moi-même, je ne vais pas parler sur la situation de, sociale et politique de M. Michel, puisque c'est une personne qui a capacité de faire salver le grand monde, ni avancer salver. Mais ce qui concerne M. traitement, M. débat paysan, c'est Jean M. qui fait paysan tourner, ils ont sapate qu'on peut utiliser le travail, il fait salver avec. Donc, M. Michel. Jouen ak so greni jodi an. Et nous font collage de extrait de côté monsieur Abdil pas connait rien de Vitelhomme ou li pas connait Vitelhomme et Vitelhomme lui-même a expliqué comment lui-même avec monsieur Sayo yo c'est des bons grain bons amis kokot ak figaro. Bal ki t'entendil et puis moi-même bal vin avec quelques analyses, quelques détails et surtout travail ça la police fait pour monsieur Timakakyo li mette dans tristesse dans moment n'a parlé là. Mais avant tout, même qui tout a dit, attendez, Michel m'a fait. Michel, je vais demander une clarification. Une clarification, je vais vous porter pour moi que un chef de gang, Vitelhomme, qui cite non, dit que il y a de bons rapports avec eux. Mais Caleb Jean-Baptiste aussi, dans la dernière intervention que vous avez fait dans la radio, là, et fait connaître que vous développez de bons rapports avec chef de gang, ça, qui est Vitelhomme. Pour une clarification pour nous sur ce sujet, ça. Merci, Lydie, pour question ça. Merci pour la question ça. Après, bonne question, Lydia. Et, je dis, moi-même, ouais, Vitelhomme, moi, pas l'air. Je pas un téléphone, Vitelhomme. Je n'ai pas là, Vitelhomme. Aucun rapport. Moi, j'aimerais rencontrer. Bon, pour me faire rappeler, monsieur, yo confisqué deux tiforades. Deux tiforades, ça, c'est eux-mêmes qui t'ont apporté le nez dans ma vie à Diclaw pour aller dans la manifestation. C'est eux-mêmes qui t'ont fait tout genre de mobilisation. Yo connecté qu'on fait là et à cette époque André Michel c'est dans 70 salle ensemble avec lui. Jodi à là li cap dormi caribé li cap dormi el rancho li je pensais que tout est possible tout est fini non bah j'aime répondre non comme font m'a met en nuance comment non m'a met en nuance ancien camarade en nuance on est le va pas attendez le va ça qu'arrive dans l'espace et puis vite l'homme là dedans. Même pas qu'on est, beaucoup j'aime encore la vie de l'homme moi-même. C'est un de nos amis, c'est à travers deux SDP, moi qu'on est John Joel Joseph, c'est suite avec rencontre que nous devons faire, nous devons parler. Pas comme si nous avons fait une réunion côté de 300 mois depuis vie de l'homme là-dedans, pas comme ça. Même pas comme vie de l'homme, pas un téléphone vie de l'homme, pas j'aime pas la vie de l'homme. Je n'ai aucun rapport avec le chef de gang. Et je vais répondre question. Et. Ça, on a dit sur moi. Parce que on a passé.
Il y a des monde qui dit on bagaille sur vous parce qu'il a besoin de son tapage, etc. Et pour répéter jusqu'à destin, on démenti ça, yo. Mais démenti, on peut dire son démenti méprisant. On démenti, on ça avec mépris. Je n'ai aucun rapport avec le chef de gang. Je suis un homme, je téléphone, je suis un parler. Et puis, je suis un bagaille. Pour qualité de bataille politique menée dans le pays, j'ai une dernière relation à gang. Je suis un homme qui a des vampires. Mais je ne vais pas occuper mon tapé. Je vais faire attaque sur moi. Dans l'époque barricade, est-ce qu'on parle à plot ou pas de mémoire pour t'aller laguer un citoyen dans le commissariat Pétionville qui t'a élevé l'homme innocent? Même si va éviter l'homme, ça n'a pas. Non. Et puis, dans la période barricade, tout, et dans la période ça, moi-même personnellement, je ne vais pas vraiment aller dans le commissariat, c'est l'autre monde qui connaît aller, etc. Je ne vais pas retourner sur le barricade. Jodi à là, c'est ça André Michel prévoit. Li ka fè, m'a dit ça. Koui, Jean la couya, puis devant, li praloué, s'il te bien couru. Michel, mesdames, messieurs, son nez qui t'a fait pile l'obé. Et t'as fait pile bagay qui gagne. On paquet. D'accord, dit. On paquet bagay qui. Que monsieur te prend responsabilité pour le faire. Et là, monsieur prend responsabilité pour le faire, yo. Mais obligé de trouver une situation impeccable également difficile. De là où il y a des bagages, elle fait. Il fait au niveau exceptionnel. Au niveau côté qu'on ne comprend pas qui s'est privé, qui s'est passé. Donc, mesdames, messieurs, je dis ça. Lorsqu'on prend position dans une situation, dans un pays, dans une phase, dans un genre de bagage, il y a un qu'on doit faire. Il y a un doit agir. Conjoint pour avancer. Et là, pour ces troupes, il prend le couteau très cher. Et là, le couteau cher là, la difficile pour baisser tête aux valeurs qu'elle méritait tout de suite après. Dans le moment où je vous parle, mesdames, messieurs, André Michel, c'est une plus grande personnalité ou plus farouchée. On a fait une plus grande personnalité. Moi-même, je ne suis pas fait partie de ceux qui pensent que André Michel est un baba, malheureusement. Pas sûr que je voulais dire, oui, André, tu as supposé agir comme ça. Mais Mabdou, ça, on saisi. C'est un homme intelligent, risieux, audacieux, mafia, dernier degré. Côté qu'a gagné de l'obéi qui fait, gagné de mouvement grave qui fait. Moi, je saisi comprendre. Monsieur, malgré toute capacité, ça y est, mais on y a le fait au niveau de communication, la cause qu'il a toujours péché. Et il péché devant même la République d'Haïti. Péché devant tout le monde et continue à pécher encore. En tout cas. Mesdames, messieurs, mes frères et sœurs, la police nationale d'Haïti, en quelque sorte, ces derniers temps, dit après la mort plusieurs personnalités dans le pays hein, qui malheureusement assassinées par les hommes armés, les bandits, les délinquants, mais la police décide qu'en pense au plein dingue, dit au pas de chance à quel que soit individu. Si dans le niveau ça, les gens ont fait une grosse opération, ok? Les gens ont fait une opération de Mac sérieux. Ah bien, monsieur, Rivet prend un individu qui était sur une machine, un Infiniti, mesdames, messieurs, BB 760-20. Individu, ça, mesdames, messieurs, c'est une année qui est vraiment puissant. Vraiment puissant. Patrouille de l'Ouest, là, t'as fait un pire mouvement, mesdames, messieurs, pour comprendre ce qui s'est passé. Pas oublier. Négo, après la mort sénateur, après qu'il y a un pile mouvement fait en bas, la police décide de dire qu'il n'y a pas de chance, il n'y a pas de vague. Et là, la police dit qu'il n'y a pas de vague. La police fait un pile lobby. Mais pas trop, il y a de l'Ouest, mesdames, messieurs, tu es possédé
bien bien bonheur dans matin le lundi 15 août 2022 dans zone la boule 11 et n'a yo arrêté mesdames messieurs le nommé Miguel Laguerre. C'est seulement 24 heures. Et malheureusement, il a été blessé par balle au pied gauche dans des échanges de tir avec la police. Et il était à bord d'une Infiniti noire immatriculée BB 760 ou bien 7620. D'accord, dire ça. Mais ce qui est intéressant, Miguel n'est pas n'importe quelle personne. C'est le chauffeur du chef de gang Timakak, opérant à la boule 12. Pour ne pas dire, a fait ça. La police décidait malgré tout. Moi, y'en a eu. Et Marie, M. Koukab. Mais, si ma fille a ça, va m'en là. Dans le moment même, je ne pas aller à l'art, je vais réfléchir. Ou d'un gars de Figil, ou un Figil marqué la fête vraie. Et puis, sous imagine, j'ai la police à travailler là. Le PNH l'a dédoublé qu'on y a tout bon vrai. Puisque en pile mon rite croit que c'est ton pète l'actionné. Mis à part de cette arrestation et mis à part de travail ça la police a fait, non? Dans tout pays, hein, la police pas jamais suspend fait grand travail qu'elle lui fait. C'est ça fait moi même moi dis ça. Chaque mec qui comprend que mes âmes dans mes de façon illégale qui pas avlé. Alors que dans la police, sauf les armes pour qu'un bien pour gros monde, tu vas décider alors que dans la police, après ça capable, pour voir qui j'en avancé, ou qu'un bien armes dans pire rien, désolé pour la police a fait exactement ça lui fait avant, et elle fait pardonner s'il fait le bien, sous mortellement blessé, c'est pas faute personne. C'est peut-être faute ou encore parce qu'on choisit pas respecter tout, il n'y a aucune connotation tout à fait directe et honnête. Pays d'Haïti tourne, il y a un espace piégé. On attend une force ou la volonté vraiment manifestée de façon grande, mais grandement, par la police ou certaines personnalités au plus haut niveau de l'État, afin de combattre ces bandes armées. Si nous arrivons à combattre les Xayo, nous avons une nouvelle Haïti. Moïse jusqu'à Ray Ariel Henry. Deuxième volet question, je dis à Sinat, mettons qualificatif devant SDPA s'il existait, est-ce que c'est déchiré, divisé, ferme ou inébranlable? Merci pour vos questions. Il faut que je dise très honnêtement, maintenant, je n'ai pas souhaité passer un peu de temps à parler de problème SDP. Parce que moi estime le problème SDPA est un problème secondaire par rapport au problème de l'IA. Je dis à monde dans le sud, dans la Grand Anse, dans le Nîmes, dans le sud-est, et monde dans le reste du département de l'ouest, là, c'est-à-dire Carrefour, Greffier, Léogane, Grand Voie, Petit Goave, ce n'est pas le problème SDP qui est intéressé. Monde a kidnappé Petit Yo, il a kidnappé Madame Yo, il a kidnappé Marie Yo. Le problème SDP n'a pas aucune importance pour eux. Les gens qui sont victimes dans le bouquet en bas d'insécurité, dans le reste pays en bas de gang, le problème SDP n'a pas veut dire rien pour eux. Les gens qui ont acheté un petit pain, 17 hauteurs, tellement farine riche, tellement blé riche avec la crise, la guerre en Ukraine. Ça n'a pas oublié que SDP, c'est un acteur clé. Faut pas écarter ça. Je suis d'accord avec toi. SDP sont acteurs clés. Même les dire, c'est pas un problème qui est important pour le pays. C'est un problème secondaire. Mais de toute façon, je suis bien désolé. Et même, mais vraiment, pour moi, ce n'est pas un sujet important. Pour le pays, bien entendu. Mais pour nous, comme je l'ai dit, c'est important parce que vous voulez savoir ce qui s'est passé entre temps. Et, pour moi, je m'a dit, si on monde, capitaine des Caraïbes matin, qui mettait dans la tête, lui, il pourrait jouer M. André Michel, qui pourrait attaquer. L'autre camarade SDP, il trompe, il n'est pas bon ça du tout. Je ne ferai aucune attaque personnelle. D'autant plus qu'ils sont tous des amis, des camarades de combat, particulièrement le sénateur Kassim. Il n'est pas bon ça. Comme la vie politique est faite de désaccords, nous arrivons à un désaccord politique. Un désaccord que nous pouvons surmonter, ou même pas d'un surmontable.
un désaccord non encore surmonté, mais pas insurmontable. Et moi-même, moi, j'ai confiance dans la capacité de tout camarade SDPO et que nous arrivons dans un avenir pas trop lointain en tendant sur l'essentiel. L'essentiel, c'est l'avenir du SDP. L'essentiel, c'est comment le SDP peut aider à la reconstruction de ce pays. Effectivement, et j'ai noté capable de tendre, c'est la première fois que je parle sur ça, même si moi signé plusieurs notes avec Marjorie, avec ministre Carrière. Et il y a des accords dans le SDP sur question de rester dans l'accord 11 septembre ou bien pas rester dans l'accord 11 septembre. Et mon frère, mon ami, sénateur Kassi, le 3 août 2022, il fait une conférence de presse et il dit bon, il sortit dans l'accord 11 septembre, bon, c'est son droit, c'est sa position. Il dit SDP sortit dans l'accord 11 septembre. Cette position, ce n'est pas la position de tous les dirigeants du SDP, de tous les membres du SDP. Cette position, sénateur Kassi, et moi, je connais bien des monde dans le SDP qui retrouvait une opposition. Ça, c'est la démocratie, ce n'est pas un programme. Et maintenant, il est capable de toujours dire, Sotil, il a toujours une position critique, li. Mais aller jusqu'à dire que SDP, Sotil n'a encore, SDP pas dans le gouvernement encore, ben c'est quand même aller un peu loin, parce que quand même, l'autre monde qui représente le gouvernement, ce n'est pas dans la radio, dans la conférence de presse, pour le temps, dès qu'on retire le non-gouvernement. Mais là, ce n'est pas un. Comment on relève ? Ce n'est pas un quidam nié, ce n'est pas n'importe qui nié. Il y a une façon de faire. Désolé, maintenant, Michel, permettez que nous montions le drapeau et nous retournions avec les mêmes questions dans 2 minutes. Merci. Yeah.
Caraïbe FM, 8h07, nous retournons avec en direct avec nous, M. André Michel, qui t'a répondu à la question que nous qui vient pour avec SDP. SDP. Hola, M. André Michel. Je suis là. Oui, oui. Oui, oui. On va continuer. Bon, on va aller rapidement. Bon, effectivement, j'en ai constaté un désaccord dans SDP. Sous quelle direction pour nous prendre, sous quelle ligne pour nous prendre. Et on désaccord. Il y a deux groupes et qui pratiquement ont deux positions différentes. Position, le sénateur Kassia, il y a quelques monde qui suivent la dernière, mais moi je le redis, je n'ai pas la position du SDP. Et moi-même, ça me souhaitait. Je souhaitais qu'il y ait deux bagailles qui sont possibles dans la compréhension par nous. Nous gagnons le 3 août 2022, Corinne, qui c'est Convention pour répondre des nations, qui sont partis politiques à représentation nationale, qui fondait SDP ensemble avec nous, qui prend position, qui dit halter là, en nous éviter division, en nous éviter ying-hang, en nous éviter chirurgie. Nous gagnons le 5 août 2022, majorité coordination départementale et communale SDPO, qui prend position, qui lance son appel à l'unité. En nous éviter ying-hang, en nous éviter divergence, en nous éviter bataille, je répète, entre nous. Bon côté par nous, nous gagnons une compréhension très claire de la situation. C'est ou bien nous capables de jouer un consensus avec l'autre camarade Dieu, pour nous faire une assemblée dans la concertation, dans l'unité, pour nous sortir avec une direction unitaire pour le SDP. Et c'est ça que moi-même, moi, souhaitais. Parce que je ne peux pas souhaiter non rester dans la logique de division qui ne peut pas régler rien, ni pour SDP, ni pour le pays, d'autant plus que c'est un très mauvais spectacle. Et si nous ne pouvons pas joindre, à ce moment-là, bon côté par nous, nous avons déjà commencé les consultations, nous avons obligé de faire une assemblée générale avec la majorité des coordinations départementales et communales pour nous mettre en direction. Mais ça, me souhaiter très honnêtement, en ce qui me concerne, c'est que mon rapprochement qui fait, que je veux lancer ce matin cet appel à mon ami, sénateur Kassi, pour me dire, on nous rencontre le plus vite possible, on nous mette nous ensemble, on nous fait assemblée démocratique et on nous fait une direction unitaire. Mm-hmm. Et comme Ricard Pierre, c'est le doyen du directoire du SDP, et matin là, m'a demandé camarade Ricard, je peux parler avec l'autre ami. Je dis, tu as un bail là, tu as un bain, tu as un chiré, puis une division, fait mon rinou. En nous, en tant que nous, on allait dans l'Assemblée générale, dans la concertation. Ça veut dire, maître André Michel. Sauver. Ça veut dire, depuis la conférence, c'est Antoine Nel Cassian, ou même avec lui, nous pas parler. Et on ne se parle pas. Et c'est la vérité, on ne se parle pas. Mais. Nous pas parler, mais l'esprit nous parler. Non. Parce que nous connaissons. Nous pas parler, mais l'esprit nous parler. L'esprit nous parler. L'esprit nous parler, parce que nous connaissons un cas si grand pile sentiment pour SDP. Nous connaissons moi-même tout. Je porte SDP dans mon cœur. Nous connaissons Marjorie Michel pour SDP dans le cœur. Nous connaissons Ricard pour SDP dans le cœur. Et moi, je veux le dire avec la plus grande franchise. Je ne sais pas comment. Nous sommes capables de parler de SDP et puis nous disons que c'est un Kassi par la donne. Et pourtant, vous parlez de SDP sans par la donne nous-mêmes. Je ne sais pas si nous sommes capables de parler de sénateur Kassi. Il est possible pour SDP sans Marjorie, sans Ricard, sans André Michel. Je ne sais pas. Est-ce qu'il le dit ou bien est-ce qu'il le dit très sincèrement? Mais dans ma tête, je ne vais pas souhaiter nous continuer à déchirer dans la presse, dans la radio. Sûrement, dans le monde qui vient écouter Caraïbes, il doit penser, il doit faire une attaque sur le sénateur Kassi, il doit jouer. Non, on n'aura pas ça. Il n'y aura pas ça. Mais ce n'est pas dans l'état d'esprit ça. D'autant plus que moi, je dis au déjà, problème pays, plus important que petit problème qui est dans SDP. SDP, c'est Bisbi qui est là. Donc, on a le Bisbi en français. Problème futile, il ne va pas connaître rien. Je sais qu'il y a des insatisfactions au niveau du SDP. Je sais qu'il y a des frustrations. Mais ce ne sont pas les frustrations qui doit déterminer notre position politique. C'est ma compréhension. Maître Michel, De toute façon, je souhaite l'unité de la structure. Je souhaite que l'on se mette ensemble le plus vite possible pour, à travers une assemblée démocratique concertée,
nous mettons direction et nous adoptons une position politique. Donc, par exemple, si nous disons nous sommes rentrés dans l'accord 11 septembre, c'est toute SDP qui est rentrée là-dedans. Nous faisons réunion tout côté nous rentrer là-dedans. Mais si je dis à nous quitter, c'est pour nous faire un débat démocratique pour nous sortir en position. Voilà! Mm-hmm. En position. Je ne suis pas attaché en position que nous gagnons. Ça veut dire qu'on n'est pas au courant et que Nenel Kassit a pris le bail en conférence pour dire que SDP n'est pas dans le gouvernement. Je ne suis pas au courant. Si je ne suis pas au courant, c'est malhonnête. Mm-hmm. Parce que de toute façon, c'est nous là ensemble. Si la pomba, je me connais. Mais je vous dis que sa position. Et ce n'est pas la position de tout le monde. Mm-hmm. Et moi, je veux, je souhaite, très honnêtement, de notre côté, nous souhaitons, et si ça nous souhaitait nous-mêmes, parce que nous ne pouvons pas aller dans la division, c'est une idée de chercher, comme l'un d'après entrer dans l'accord et en septembre, nous te faisons un débat démocratique dans SDP avec toutes les coordinations départementales, régionales, avec toutes les organisations alliées du SDP, avec Corinne, qui sont partis politiques, qui ont une représentation nationale qui font des SDP, eh bien, on nous refait le même débat pour adopter une position. C'est ce que je dis, c'est ce que je souhaite. Et c'est la démarche normale. Maître Michel, voilà. Maître Michel, et désolé, tout à l'heure, je dis que bon ensemble de problèmes et qui est beaucoup plus sérieux que le problème SDPA. Peut-être que nous n'avons pas dit le contraire. Cependant, moi-même personnellement, comme journaliste et cap suivre l'évolution actualité, moi, je crois que le dossier SDPA est très important et même aussi important que l'autre problème. Pour qui ça? Parce qu'on a parlé là d'une structure politique, d'un mouvement ou bien groupement, je voulais Jonta Karelil, qui mène une bataille acharnée contre l'ancien président Jovenel Moïse et majorité et position SDP, qu'on a pour majorité initiale. Initiative, c'est dans nos peuples qu'on a peur. Donc je dis, s'il y a un malaise, s'il y a un problème, donc faut la République, faut le peuple connaît qui s'allie en réalité. C'est pas parce que nous avons créé Zin, nous avons créé Boz ou quoi que ce soit, mais mettre André Michel comme porte-parole, ou bien capable de dire, et mon qui était toujours devant porte-parole SDP, je dis à parole li très important pour nous autres, pour nous connaître qui s'est passé SDP, qui fait que je dis à là, nous avons assisté à ça, parce que pas oublier, nous pas parler de n'importe qui est, nous parler de un groupe monde qui était constitué une opposition radicale face à un Jovenel Moïse. Bon, écoutez, moi-même, je comprends l'intérêt comme journaliste pour gagner la vérité totale sur la situation du SDP. Je comprends, oui. Je comprends, oui. Mais moi-même, je fais confiance. Et même si je suis en période de désaccord avec des amis, avec des camarades, fais-moi confiance, je ne vais pas déballer. Je ne vais pas laguer dans la radio Caraïbes. Non, 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 nous peut-être pas mandou ça tout. Nous pas mandou ça. Mais peut-être nous chercher à comprendre qui s'est passé, qui s'est mené nous là. Parce que dernièrement, tout à l'heure, M. Michel, dernièrement, nous avons parlé avec Marjorie Michel qui dit à la base situation ça, c'est que tu as un groupe qui était d'accord pour rentrer, pour faire partie du gouvernement Ariel Henry, ou l'autre groupe pas d'accord. OK, donc moi même développement Vimando, est-ce que c'est même position ça gagne tout, donc problème ça gagne jodi à la dans SDP, est-ce que c'est ça, c'est là, c'est base li ça. C'est origine. Bon, non, c'est pas origine problème à mon sens. Alors et sa majorité dit c'est une vérité. De nous te supposé si encore en septembre. Tu as une possibilité pour nous signer accord pour nous rentrer dans le gouvernement, tu as une possibilité pour nous signer accord pour ne pas entrer. Et pour l'histoire et pour la vérité, Marjorie Michel a dit on ne pas rentrer dans le gouvernement. Pour l'histoire et pour la vérité, c'était la position de Marjorie Michel. Il a dit même si nous signons encore, on ne pas rentrer dans le gouvernement. Mais la position majoritaire qui était sortie dans la consultation, c'est que faut que nous rentrions. Et à partir du moment où nous rentrer, ce n'est pas position. Majorité à cette position tout le monde. Et c'est ça une organisation démocratique. Et c'est la position de Marjorie. Ça devient la position de Marjorie Michel qui n'était pas d'accord. Maintenant, on connaît. Quand pile insatisfaction. Et quand pile inefficacité. Quand pile frustration. On connaît eux légitimes. Ok? On connaît eux. Et qui te position par eux? Qui te position par eux les mêmes sous ça? Moi-même? Position pas moins, position pas à l'origine, moi te dis, si pour nous rentrer dans le gouvernement, pour nous rentrer dans l'espace
côté nous capable bailler des résultats visibles. Parce que cette nuance que j'avais posée dans le débat. Mais tout compte fait, le plus important, c'est que une décision majoritaire qui sortit et nous, notre décision majoritaire, ça jusqu'à présent. Mm-hmm. Et si demain matin, il faut nous quitter le gouvernement, eh bien, il reviendra à la majorité de trancher cette question dans le cadre d'une assemblée générale. C'est comme ça que ça se fait. Mm-hmm. Moi, je ne suis pas attaché à rien. Majorité n'est pas attaché à rien. Rita n'est pas attaché à rien. Mais de toute façon, une façon pour le fait. Je comprends son pas. Donc, vous même pour que nous intégrions le gouvernement et de fait, c'est ça qui fait. Dis-nous, non. Comment nous entendons au niveau SDP pour nous faire choix Ricard Pierre comme ministre planification et plusieurs autres monde nous gagnent dans le gouvernement, probablement. Comment nous entendons ce choix ça? Bon, à la vérité, c'est moi avec Sénateur Kassi qui te conduit négociation avec le premier ministre Ariel. Et puisque le sénateur Ricard était manifesté, et comme le sénateur Ricard est député Balance, le sénateur deux fois département sud-est, et nous avons jugé nécessité pour nous débattre priorité. C'est vrai, il y a d'autres prétendants. Mais je dois saluer ce matin l'élégance de mon ami et confrère, Maître Axel Joseph, qui lui-même tout, c'est capable, c'est lui-même qui devient ministre de planification. Mais je dois vous le dire, sans se faire prier, rappelez-moi, moi, sénateur Kassi avec Axel, nous chita, au matin que nous allons désigner Ricard, et sans se faire prier, Axel, accepté et que bon, on accorde priorité au sénateur Ricard. Il était fait très facile, mais il n'y avait aucune contestation. Mais on connaît avec le temps, grand pile frustration qui venait et grand pile insatisfaction, etc. etc. Il y a tout ça et qui bat en pile problème. Dans structure. Mais moi, espérer que n'a fini pas surmonté. C'est le seul poste et c'est le seul ministère SDP t'es réclamé. Bon, non, logique négociation, capable de réclamer et X, Y, Z, donc à réclamer 2, 4, 5, 20. Bon, ça c'est réclamé, on va réclamer. Mais c'est avec ça nous sortis dans la négociation. Ça seulement. Évidemment, oui, seulement ça. Non, mais il y a parlé de direction générale, il y a parlé de loterie nationale, il y a parlé de dignité. C'est à, encore de proche, non, dans le niveau structure. Attendez, bon, on va revenir. Le SDP a choisi la transparence. Nous avons choisi la transparence. Et ça, je pense qu'il faut nous apprécier. Pour bon monde qui rentre dans le gouvernement en cachette. Et si nous voulons rentrer en cachette, nous devons rentrer en cachette. Nous devons juste pas mettre Ricard. Nous devons mettre la montagne, pour la caille ou guerrier, nous devons mettre personne pour la connaître. Nous prenons la montagne, nous mettons là, personne ne va connaître, nous t'es qu'à faire ça. Mais nous te dit, nous ne pouvons pas la population en menti, nous ne pouvons pas rentrer dans le gouvernement pour nous cacher. Dans pile le monde qui rentre, il y a etc. Et, bon. T'as qui m'en ça, M. Michel? C'est choix pas. Mais nous-mêmes, nous avons choisi la transparence. On va s'en vous dire. Si nous te mettons un directeur général, nous t'as dit de mettre un directeur général. Ça veut dire officiellement, SDP gagne Ricard Pierre seulement dans le gouvernement, ça, dans tout niveau. C'est Ricard Pierre qui représente le SDP au gouvernement. Évidemment, il y a l'autre monde nous reconnaît, il y a l'autre monde ses amis, etc. Par exemple, Osmond Bradel, c'est mon ami, mais elle va représenter SDP. Vous comprenez? Et okay. C'est fusion. Il y a bon l'autre monde dans le gouvernement qui me lie relation avec, on va représenter SDP. D'accord? Et voilà la vérité. Le représentant du SDP au gouvernement, c'est Ricard Pierre. Et lui a prêté dans le gouvernement. Jusqu'à ce que nous décidions autrement. Et le jour où nous avons sorti dans le gouvernement, si nous avons sorti dans l'accord 11 septembre, le premier monde qui peut sortir, c'est Ricard Pierre. Et il va nous garantir que le jour où une décision démocratique qui prend, c'est le premier monde qui a sorti. Et c'est lui qui a annoncé qu'il a sorti. C'est l'âne perdu, oui, M. Michel. Oui. M. Michel, excusez, oui. M. Michel, c'est l'âne perdu, parce que. Tu as le nombre à l'explico. Et.
récemment, il y a, pour être plus précis, le 7 août, il y a une assemblée générale qui fait dans nos SDP. Je me dis que ça me dit assemblée générale SDP pour me garder d'eau qui fait dans nos bon, SDP. Nenel Kassi avec toute équipe l'été là. Au terme de l'assemblée ça, il y a un directoire qui sorti. Moi-même, mon comité directoire, moi-même, je ne parle pas non, je ne parle pas non, Majorie Michel, je ne parle pas non, Ricard Pierre, etc. Voilà que je dis, on parle là, on dit, joue SDP a sorti dans le gouvernement, a gagné une résolution qui prend, ou bien majorité a tranché, etc. Mais quand il y a là deux qui SDP, on parle. Et ça fait me dire, est-ce que quelque part, par exemple, SDP Nenel Kassi ou SDP André Michel? Donc, SDP André Michel là, dans le gouvernement, yo pourquoi absorti ou li absorti a tranché SDP dans le cas y a pas dans le gouvernement, c'est ça moi même moi voulais comprendre. On bien regrette très honnêtement que c'est de ça n'a pas parlé matin, hein? N'a parlé de toute bagarre. Non non, effectivement moi reconnaître que mon situation difficile dans structure SDP a assemblée qui fait cette route, c'est l'assemblée des partisans de mon ami, de mon frère Kassi. Comprenez maintenant, moi même moi souhaitais nous faire assemblée SDP. Je me souhaité nous faire ensemble. Et pourtant, son assemblée SDP que vous faites. D'ailleurs, vous sortez avec des notes qui baillent trois nouveaux porte-paroles. Oui, en majorité. Oui, ou en majorité. Ou même, vous mettez comme grand conseiller. Bon, de toute façon, je vous souhaite. Je souhaite nous faire assemblée dans la concertation. Vous comprenez? Parce que pour moi, pas d'intérêt pour nous diviser, à gommer entre nous. Mais si nous pas arrivé à faire assemblée en concertation, parce que nous en consultation, pour nous réaliser une assemblée, nous avons obligé de faire une assemblée avec la majorité. Et le ça, est-ce que nous avons prêté encore en septembre, c'est l'assemblée ça qui va le décider? Est-ce que faut que Carpier quitte le gouvernement, c'est l'assemblée ça qui va le décider? En attendant. Mais ce que je vous dis, ce que je vous dis, c'est que Louis Carpier, représentant du SDP au gouvernement, le jour où une décision démocratique qui prend en dedans SDP l'a quitté. En et attendant, il nous a donné. Oui, oui. Donc, on se dit ça tout à l'heure. Il va garantir que l'a quitté. Mais en attendant que l'autre assemblée s'est faite avec de l'autre groupe, de l'autre dirigeant, comment qualifier assemblée ça, partisan? Ou bien Nenel Kassi te fait? Bon, parce que malheureusement, c'est la politique. C'est la politique, malheureusement. Au ballon, non, quand même, parce que c'est des camarades qui chutent ensemble et qui prennent décision. Oui. Mais sauf que, si nous rentrons dans le schéma, ça, pas dire que dans trois jours, la majorité va réunir les partisans, les font assemblée SDP. T'as l'entendu, Rika fait tout, le font assemblée SDP. T'as l'entendu. André Michel, si André là, ça c'est le désordre. Moi, je dis que nous sommes dans une dynamique d'escalade. Il faut arrêter cette dynamique d'escalade. Et ça me souhaitait. Voilà pourquoi je le souhaite, avec la plus grande franchise, que nous faisons assemblée dans la concertation. Si nous ne pouvons pas faire dans la concertation, nous sommes obligés de faire nous-mêmes avec la majorité. Et voilà. Maître Michel, vous m'avez allé dire. Oui, Maître Michel, alors, je vais vous demander. Est-ce que vous avez toujours? Oui, on va avoir un problème. Oui, je vais prendre son printemps, on a parlé de tout le monde. On a sur l'autre bail. On a parlé de tout le monde. Non, on a parlé de tout le monde. Oui, Maître Michel, je vais vous demander. Spectacle, ça, n'a pas fait une population, là. Nous avons évité seulement pour nous. Et nous à bataille contre le président? Franchement, c'est une très bonne question. Il y a de la franchise dans cette question. Personnellement, tout le monde connaît Jean-Marie, mais il y a des gens qui disent moi parler, c'est pas vrai? Je dis à cette première fois que je vois, je parle sur le bagage. C'est la première fois que je parle sur les jeudi. Et je ne vais pas bon mentir, je devine une émission. Hein? Peut-être que j'ai même envie de fuir la question, ça, mais je ne suis pas capable, je ne suis pas obligé. Sans façon pour me dire moi honte. L'autre disait que la honte, son sentiment révolutionnaire, même dit son sentiment humain. Moi, honte. Et ça ne va pas faire honneur à aucun monde qui n'est pas SDP. Et moi, espérer, dans un avenir pas trop lointain, la situation ça a clarifié. Parce que je ne sais pas si c'est ça, dirigeant SDP, au souhaité. Je ne sais pas si c'est ça, militant, au souhaité. Je ne sais pas si c'est ça, coordination, au souhaité.
pas de personne monde qui souhaitait ça. Malheureusement, ça fait partie de la vie politique, des accords, etc. La politique, c'est ça, en fait. C'est une affaire d'accord et de désaccord. Même penser à surmonter, parce que je me fais confiance à toute militante SDP, à toute camarade SDP, à toute coordination départementale SDP. Mais Michel, moi, lis et plusieurs notes nous font sortir. Nous d'accord que l'accord en septembre n'est pas arrivé à appliquer comme prévu dans l'ensemble des articles. Donc, ça n'a pas empêché que vous autres, Majorie Michel, Agonome Carpierre, ou même André Michel, nous dit nous étions accrochés à l'accord. Là. Et qui ça qui expliquait, malgré nous, à d'accord que pas appliqué, mais nous étions quand même. Ça dit aux deux bagailles. Première bagaille, je vais faire une discussion ça avec mon ami et Camille Fièvre, avocat, même j'avais bon ami. Et l'exécution à corps politique, yo, c'est pas même bagarre avec l'exécuté ou accord qui fait entre.